مثلا إذا أردت أن أقول من الأفضل أن تعتاد على هذا الوضع. تذكرون أصدقائي فعل يعتاد كنا قد رأيناه سابقا؟ نعم أحسنت. Tu ferais mieux de t'habituer à cette situation. Tu ferais mieux de t'habituer à cette situation. On dit tout simplement tu ferais. Tu ferais mieux de t'habituer. S'habituer à يعتادو أو يتعودو cette situation يعني هذا الوضع. Tu ferais mieux de t'habituer à cette situation. لقد فتشت في غرفتي فعل يفتش كنا قد رأيناه سابقا كذلك. لقد فتشت في غرفتي لكنني لم أعثر عليه. فكر قليلا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. J'ai fouillé ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai fouillé ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. Le verbe fouiller معناه يفتش. Ma chambre يعني غرفتي. Je ne l'ai pas trouvée يعني لم أجده أو أنا لم أعثر عليه. J'ai fouillé ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. جملة أخرى. أحمد شخص غريب حقا، نحن لا نعرف أبدا بما يفكر. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. أحمد est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. Ahmed est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. Ahmed est une personne, yani Ahmed huwa shakhs, vraiment yani haqqan, étrange yani gharib. On ne sait jamais, la na'rif abadan, ce qu'il pense, bima yufakkar. Ahmed est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. جملة أخرى. هو يصر على الحضور لرؤيتك. فعل يصر كنا قد رأيناه كذلك سابقا. نعم أحسنت. Il insiste pour venir te voir. Il insiste pour venir te voir. On a le verbe insister, معناه يصر, conjugué au présent de l'indicatif, مصرف في الحاضر الدلالي أو في المضارع, pour, لي, venir, يأتي أو يحضر, le verbe voir, يرى. Il insiste pour venir te voir. جملة أخرى. لقد رأيت هذا في مكان ما من قبل. Oui, très bien. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part يعني في مكان ما. جملة أخرى. هذا قطع شهيتي. نعم. Ça m'a coupé l'appétit. Ça m'a coupé l'appétit. On a le verbe couper, معناه يقطع, l'appétit, يعني الشهية.
Ça m'a coupé l'appétit. جملة أخرى. هو يهز كتفيه عندما أتحدث معه. فكر قليلا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Il hausse les épaules quand je lui parle. Il hausse les épaules quand je lui parle. On a le verbe hausser, معناه يهز. Les épaules, الكتفين. Quand, عندما, je lui parle. أتحدث معه. Il hausse les épaules quand je lui parle. جملة أخرى. أنا لا أعتقد أنها متفرغة في الوقت الحالي. صفة متفرغ أو متفرغة رأيناها في العديد من المرات. نعم أحسنت. Je ne pense pas qu'elle soit disponible pour le moment. Je ne pense pas qu'elle soit disponible pour le moment. On a le verbe penser, معناه يعتقد. Disponible, صفة, معناها متفرغ أو متفرغة. Pour le moment, يعني في الوقت الحالي. Je ne pense pas qu'elle soit disponible pour le moment. جملة أخرى. يجب أن تتخذ قرارا. جملة سهلة جدا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. On a le verbe devoir, معناه يجب. Prendre, يأخذ. Une décision, يعني قرار. Tu dois prendre une décision. جملة أخرى. لقد وضعني في موقف محرج. نعم أحسنت. Il m'a mis dans une situation embarrassante. Il m'a mis dans une situation embarrassante. On a le verbe mettre, معناه يضع, dans une في situation, يعني موقف, embarrassante, هذه صفة, معناها محرج أو محرجة. Embarrassant, محرج, embarrassante, محرجة. Il m'a mis dans une situation embarrassante. جملة أخرى. هذا التمرين معقد حقا. تذكرون صفة معقد؟ نعم جيد. Cet exercice est vraiment compliqué. Cet exercice est vraiment compliqué. Compliqué, هي معقد, un adjectif, صفة. Cet exercice est vraiment compliqué. الآن إذا أردت أن أقول لقد أغلق الخط قبل أن أنهي جملتي, يعني أنهى مكالمة, تذكرون هذا الفعل أصدقائي؟ نعم. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Le premier verbe, c'est le verbe raccrocher, معناه يغلق الخط أو ينهي مكالمة هاتفية. Avant, يعني قبل, que je termine, ça c'est le verbe terminer, معناه ينهي ma phrase, يعني جملتي. Il a raccroché
avant que je termine ma phrase. جملة أخرى. لأكون صادقا لست متأكدا من هذه الفكرة. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de cette idée. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de cette idée. Pour être honnête, لأكون صادقا, ça c'est un adjectif, صفة, honnête يا صادق. Je ne suis pas sûr, لست متأكدا, de cette idée, من هذه الفكرة. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de cette idée. جملة أخرى. لا تقلل من شأنك. نعم أحسنت. Ne te sous-estime pas. ولكن نقوم بالربط la liaison ونقول ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. جملة أخرى. هي وشوشت في أذني حتى لا يسمعها الآخرين. كيف نعبر عن فعل يوشوش أو يهمس كنا قد رأيناه سابقا؟ نعم أحسنت. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Le verbe chuchoter, يعني يوشوش أو يهمسو, ça veut dire parler à voix basse, التكلم بصوت منخفض جدا. À mon oreille, يعني في أذني. Aussi, on a le verbe entendre, معناه يسمعو, conjugué au présent de l'indicatif. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أود أن أعرف ما هو قرارك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ سهلة جدا عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'aimerais savoir quelle est ta décision. J'aimerais savoir quelle est ta décision. Le premier verbe, c'est le verbe aimer, conjugué au conditionnel présent. أو الفعل هو فعل يود أو يحب مصرف في صيغة الشرط. Et le verbe savoir, يعني يعرف. J'aimerais savoir quelle est ta décision. جملة أخرى. جيرانك التقيت بهم لكنني لم أتحدث معهم. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Tes voisins, je les ai rencontrés. Mais je ne leur ai pas parlé. Tes voisins, je les ai rencontrés, mais je ne leur ai pas parlé. جملة أخرى عزيزي المشاهد. أنت لم تجيبني بعد. كان سؤالي واضحا جدا. Oui, très bien. Tu ne m'as pas encore répondu. Ma question était très claire. Tu ne m'as pas encore répondu. Ma question était très claire. Tu ne m'as pas encore répondu. Ma question était très claire.
Une autre phrase. ردة فعله فاجأتني كثيرا. Oui, très bien. Sa réaction m'a beaucoup surpris. Sa réaction m'a beaucoup surpris. Sa réaction m'a beaucoup surpris. جملة أخرى. لقد طلبت منك أن تكون حذرا. نعم أحسنت. Je t'ai demandé de faire attention. Je t'ai demandé de faire attention. Je t'ai demandé de faire attention. جملة أخرى. لقد بدأت تضحك عندما نظرت إليك. Oui, très bien. Tu t'es mis à rire quand je t'ai regardé. Tu t'es mis à rire quand je t'ai regardé. Le premier verbe, c'est le verbe se mettre. Tu t'es mis, conjugué au passé composé. كنا قد رأيناه سابقا. مصرف في الماضي المركب. جاء هنا المعنى بدأ. Rire, يضحك. Et le verbe regarder, معناه ينظر. Conjugué aussi au passé composé. Tu t'es mis à rire quand je t'ai regardé. جملة أخرى. عندما رأيته تعرفت عليه على الفور أو في الحال. Oui, très bien. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu. On peut dire aussi Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu immédiatement. C'est la même chose. Une autre phrase. أنا لم أتوقع هذه الأخبار السيئة. Oui, très bien. Je ne m'attendais pas à cette mauvaise nouvelle. Je ne m'attendais pas à cette mauvaise nouvelle. Ici, on a le verbe attendre, معناه ينتظر, conjugué à l'imparfait. هنا جاء المعنى يتوقع. Je ne m'attendais pas à cette mauvaise nouvelle. جملة أخرى أصدقائي. بالأمس أو البارحة التقيت أحمد بالصدفة. Oui, très bien. Hier, j'ai rencontré Ahmed par hasard. Hier, j'ai rencontré Ahmed par hasard. On a le verbe rencontrer, معناه يلتقي, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب, par hasard, يعني بالصدفة. Hier, j'ai rencontré Ahmed par hasard. جملة أخرى أصدقائي. لا تتردد في الاتصال بي. نعم أحسنت. N'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à me contacter. On a le verbe hésiter, معناه يتردد, conjugué à l'impératif, مصرف في صيغة الأمر. N'hésite pas à me contacter. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أحاول أن أنفق القليل من المال للاقتصاد أو لكي أقتصد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد.
Oui, très bien. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يحاول مصرف في الحاضر. Le deuxième verbe, c'est le verbe dépenser, معناه ينفق. Et le verbe économiser, معناه يقتصد. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. جملة أخرى هي تقلل كل ما أقوله يعني تقلل من شأن كل ما أقوله. Oui, très bien. Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. On a déjà vu le verbe déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose. رأينا سابقا فعل يقلل معناه يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شأن شيء ما. Elle déprécie tout ce que je dis. جملة أخرى هو ليس متأكدا إذا كان يستطيع أن يأتي فهذا سيتعلق بحالته الصحية. جملة طويلة عزيزي المشاهد يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Il n'est pas sûr de pouvoir venir, cela dépendra de son état de santé. Je répète, il n'est pas sûr de pouvoir venir, cela dépendra de son état de santé. Il n'est pas, le premier verbe c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif, أول فعل هو فعل يكون مصرف في الحاضر. Le verbe pouvoir, معناه يمكن أو يستطيع, فعل من المجموعة الثالثة. Le verbe venir, معناه يأتي. Et le verbe dépendre, cela dépendra, conjugué au futur. لدينا كذلك فعل يتعلق أو يتعلق بشيء ما. فعل من المجموعة الثالثة, مصرف في المستقبل. État, يعني حالة صحية الصحة. Il n'est pas sûr de pouvoir venir. Cela dépendra de son état de santé. أنا أتساءل أين يمكن أن يكون؟ Oui, très bien. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. جملة أخرى هو يتهمني بكسر هاتفه لكن لست أنا. Oui, très bien. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. هي تستقبل دائما ضيوفها بلطف. Oui, très bien. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. جملة أخرى هي أعطت قبولها للسماح له بالخروج.
Oui, très bien. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Le premier verbe, c'est le verbe donner, معناه يعطي, acceptation, يعني قبول. Laisser, معناه يترك, ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يسمح. Sortir, يعني يخرج. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. جملة أخرى. هذا الاقتراح يبدو مقبولا بالنسبة لي. Oui, très bien. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition, يعني هذا الاقتراح, le verbe sembler, معناه يبدو, acceptable, يعني مقبول. Cette proposition me semble acceptable. جملة أخرى. أنا لست ملزما أو مضطرا لمرافقته. Oui, très bien. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. Obligé, معناه ملزم أو مضطر. Accompagner, معناه يرافق, رأيناه في العديد من المرات. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. جملة أخرى. عليك أن تحدد نفقاتك إذا كنت تريد أن توفر. Oui, très bien. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Ailleurs. Ailleurs, ça veut dire un autre endroit. يعني في مكان آخر. Ailleurs. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أرى الضوء الأحمر كان رأسي في مكان آخر. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'avais la tête ailleurs. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'avais la tête ailleurs. Le premier verbe, c'est le verbe voir, يعني يرى, conjugué au passé composé. الفعل يرى صرف في الماضي المركب. Aussi, on a le verbe avoir, j'avais, conjugué à l'imparfait, صرف في الماضي الناقص. فعل يملك, فعل الملكية. Je n'ai pas vu le feu rouge, j'avais la tête ailleurs. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ أنا لا أحب هذا المكان لنذهب إلى مكان آخر. خذ وقتك في التفكير. نعم، je n'aime pas cet endroit. Allons ailleurs. Je n'aime pas cet endroit. Allons ailleurs. On a le verbe aimer, يحبو, conjugué au présent de l'indicatif. فعل يحبو مصرف في المضارع أو الحاضر الدلالي. Aussi on a le verbe aller, يذهبو, conjugué à l'impératif. صرف في صيغة الأمر. Allons ailleurs. Je n'aime pas cet endroit. Allons ailleurs. Partout. Partout, يعني في كل مكان. Partout. الآن إذا أردت أن أقول رتب غرفتك. يوجد فوضى في كل مكان.
نعم، range ta chambre. Il y a du désordre partout. Range ta chambre. Il y a du désordre partout. On a le verbe ranger فعل يرتب مصرف في صيغة الأمر الامبراتيف. Range ta chambre. Il y a du désordre partout. Parfois. Parfois يعني في بعض الأحيان أو أحيانا. Parfois. الآن إذا أردت أن أقول أنا أراه أحياناً يوم الخميس يأتي مع أطفاله أو مع أولاده، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم، je le vois parfois le jeudi. Il vient avec ses enfants. Je le vois parfois le jeudi. Il vient avec ses enfants. Répète avec moi à haute voix. Je le vois parfois le jeudi. Il vient avec ses enfants. جملة أخرى. أختك تتصرف أحيانا بدون تفكير. نعم، ta sœur agit parfois sans réfléchir. Ta sœur agit parfois sans réfléchir. On a le verbe agir conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يتصرف، un verbe de deuxième groupe فعل من المجموعة الثانية مصرف في الحاضر الدلالي. Et le verbe réfléchir يعني يفكر. Ta sœur agit parfois sans réfléchir. Ici. Ici معناها هنا أو الآن. سنتعرف على هذا من خلال الأمثلة. Ici. الآن إذا أردت أن أقول تعال إلى هنا أنا أنتظرك. Oui, très bien. Viens ici, je t'attends. Viens ici, je t'attends. On a le verbe venir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة, يعني يأتي, conjugué à l'impératif. Et aussi on a le verbe attendre, يعني ينتظر, un verbe aussi de troisième groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Viens ici, je t'attends. جملة أخرى. لقد جئت إلى هنا لأرتاح أو لكي أستريح. نعم. Je suis venu ici pour me reposer. Je suis venu ici pour me reposer. Le premier verbe, c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe, conjugué au passé composé. Et le verbe se reposer, yani yertahu, un verbe pronominal de premier groupe, fa'l murakkab min al-majmoua al-oula. Je suis venu ici pour me reposer. Jumla ukhra. Hatta al-an, lam af'al ayya shay'in ba'd. Oui, très bien. Jusqu'ici, je n'ai encore rien fait. Jusqu'ici, je n'ai encore rien fait. Jusqu'ici, je n'ai encore rien fait. Là. Là, معناها هناك, ولكن سوف نرى معاني أخرى. Là. الآن إذا أردت أن أقول لا تبقى هناك تعال هنا معي.
نعم، ne reste pas là, viens ici avec moi. Ne reste pas là, viens ici avec moi. Ne reste pas là, viens ici avec moi. Une autre phrase. اليوم ليس هنا. يعني هو ليس هنا. نعم. Aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, il n'est pas là. جملة أخرى. تعال لرؤيتي في ماي، يعني في شهر ماي، لكن اتصل بي بحلول ذلك الوقت أو حتى ذلك الحين. نعم، viens me voir en mai, mais téléphone-moi d'ici là. Viens me voir en mai, mais téléphone-moi d'ici là. كما رأيتم أصدقائي، يتغير دائما المعنى حسب الجملة. رأينا لا معناها هنا، هناك، كذلك تعني إلى ذلك الحين أو حينها أو بحلول ذلك الوقت. Viens me voir en mai, mais téléphone-moi d'ici là. Suffisamment. Suffisamment يعني بما يكفي أو بما فيه الكفاية. Suffisamment. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتمنى أن يكون ذلك واضحا بما يكفي. نعم، j'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. Infiniment. Infiniment يعني بلا حدود أو جزيلا عندما تقول للشخص شكرا جزيلا. يعني بلا حدود جزيلا. Infiniment. الآن إذا أردت أن أقول أنا أشكرك جزيلا على مساعدتك لي أو شكرا جزيلا لك على مساعدتك لي. نعم، je te remercie infiniment de m'avoir aidé. Je te remercie infiniment de m'avoir aidé. Je te remercie infiniment de m'avoir aidé. Empêchement. Empêchement يعني مانع أو عائق. Empêchement. الآن إذا أردت أن أقول أنا آسف لتأخري، كان لدي مانع. نعم، je suis désolé d'être en retard, j'avais un empêchement. Je suis désolé d'être en retard, j'avais un empêchement. Je suis désolé d'être en retard, j'avais un empêchement. À peine. À peine يعني بالكاد أو للتو. À peine. الآن إذا أردت أن أقول بالكاد كان لدي الوقت لأسرح شعري أو لأصفف شعري. Oui, très bien. J'ai à peine eu le temps de me coiffer. J'ai à peine eu le temps de me coiffer. J'ai à peine eu le temps de me coiffer. جملة أخرى.
وصلت للتو إلى المنزل ولا بد لي من إعداد العشاء. Oui, très bien. Je suis à peine arrivée chez moi et il faut que je prépare le dîner. Je suis à peine arrivée chez moi et il faut que je prépare le dîner. Je suis à peine arrivée chez moi et il faut que je prépare le dîner. Exprès. Exprès يعني عن قصد, عمدا يعني متعمد. Exprès. الآن إذا أردت أن أقول لقد فقدت مفاتيحي مرة أخرى, لكنك تفعل ذلك عن قصد. نعم, tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès. Tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès. Tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès. On a le verbe perdre, un verbe de troisième groupe, معناه يفقدو, conjugué au passé composé. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الاختبار, أتمنى أن يكون قد كان في متناولكم جميعا. قبل أن نختم إليكم سؤال التميز وسؤال اليوم يقول, من الأفضل أن نتعود على هذه الفكرة, كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس, إلى فيديو قادم إن شاء الله, والسلام عليكم.